c'est ça. Tu vois aussi. T'entends de voir. Ok. Vous l'avez déjà entendu, hein, certainement, tout cela. Alors attendez, je vais vous augmenter quand même le son pour que vous, au moins, vous l'entendez. J'espère en tous les cas que vous l'entendez, parce que sinon vous l'entendez pas, ça va être un peu bizarre. Alors, on est à l'épisode 6. Il y a eu des changements. Il y a eu des petits problèmes, on va dire, d'enregistrement. Justement pour que je puisse vous enregistrer le tout depuis la dernière fois, bien sûr, hein. C'est un peu merdique, je sais, ça me fait un peu chier, je sais, calmez-vous, hein. Alors, on a eu la dernière fois, comme vous avez pu voir, Surf. On a eu Surf parce que je me disais, Force, où est-ce qu'il est. Force, je l'ai eu. En fait, je l'avais. Force. Alors, on a eu Surf et maintenant j'ai eu aussi Vol parce que je suis parti. Je suis parti chercher le médicament pour celle-ci, pour cette arène-là. Donc je suis allé chercher le médicament pour celle-là, hein, je ne me rappelle même plus comment il s'appelle comment déjà. Merci pour le temps fin, un peu différent, permets-moi de me présenter, je suis... Ah, Yasmine, ouais, c'était ça, Yasmine. Voilà, donc je suis allé chercher justement son truc là, je suis allé chercher... Et maintenant on peut la battre. Et malheureusement, je n'ai pas pu enregistrer justement les épisodes là parce que c'était un peu trop relou. Hein. Ça n'a pas enregistré, ça n'a pas fonctionné exactement. Donc on peut pas continuer exactement là, dans le point là. Mais ce n'est pas grave parce qu'on va continuer aujourd'hui ici. Comme ça, au moins on pourra. Voilà. Hein. Alors, on va tout de suite, attaquer ce Magnity avec un petit jet de pierre. On va essayer en tous les cas. S'il va pas nous. Avoir avant, donc je l'avais déjà battu. Je sais pas pourquoi ça n'a pas sauvegardé, c'est un peu bizarre, mais bon, ok. J'accepte le challenge. Je crois que j'avais même pas sauvegardé. Oh le con, ouais, c'est vrai, j'avais pas sauvegardé. J'avais réussi à la battre, mais j'ai pas sauvegardé comme un con. Donc, très génial, bien sûr. Il est toujours génial. C'est pas très efficace. Jet de pierre, c'est pas très efficace, d'accord. J'ai jamais vu ça sur un magnétique, mais d'accord. Donc, c'est ça en fait ce que vous avez raté, c'est que je suis allé chercher en fait le médicament pour elle, pour son Pokémon, etc. Je suis allé dans l'autre île, de l'autre côté, j'ai dû traverser la mer pour aller de l'autre côté, et c'est là que j'ai trouvé Vol. Maintenant j'ai un petit problème par rapport à Vol, les gars, j'ai un petit problème, pourquoi ? Parce qu'en fait, je n'ai pas de Pokémon qui peut utiliser Vol. Donc je pense que dans cet épisode-là, on va déjà commencer à chercher du Vol. Hein. Enfin, pas chercher du Vol, mais à chercher du Pokémon qui peut utiliser du Vol. Alors on va utiliser Flamèche. J'ai pris mon deuxième Fleurissant. D'ailleurs, celui-là qu'on avait dupliqué à la première, au premier épisode, ou deuxième épisode, je ne m'en rappelle plus. Parce que j'en ai besoin pour cela. Pour cette arène-là. Parce que, voilà, il nous faut du feu. Et il nous faut de l'eau, mais vu que de l'eau, je n'ai pas... Oh, critique, super efficace, oh là là, et c'est là qu'il nous attaque. Et donc, je dois utiliser le feu, hein. Vous voyez, pourquoi ? Un coup et je suis mort, c'est pour ça en fait. Voilà, j'ai Krabby, hein, mais voilà, Krabby ne peut pas te dire bonjour, au revoir, tu vois. Krabby, c'est un Pokémon en fait que j'adore, hein. Je peux seulement utiliser Surf. Oui, elle prend toujours les super portions. On va un peu accélérer quand même. Elle prend toujours les super portions. C'est en fait ça ce qui rend le truc difficile. C'est quand tu crois que tu le bats, c'est là le moment où en fait elle utilise les super portions. C'est un peu relou, c'est un peu bizarre, mais c'est quand... Ouh, oula, presque. Ah, tu l'utilises quasiment. Celle-là échoue. Wow. Donc on va faire une petite vive attaque. Je pense que ça pourrait y aller. Et voilà, gagner les doigts de pied. Donc, ouais. Voilà, l'ordre est à nous et on monte au niveau 27 avec notre Fleurissant, on va dire original, pas le chinois. On va l'appeler ça. Ah non, on n'a pas gagné encore, merde. Magnéti, on pourra se le faire avec lui. Ouais, je pense que lui, hein, même s'il est niveau 30, niveau 27, ouais, ça pourrait passer. Et donc,
ce que je disais en fait, ouais, vous avez raté donc les autres épisodes parce que je n'ai pas pu les mettre. Hein, donc malheureusement, je n'ai pas pu les mettre. Donc c'est pour ça que vous avez raté, on va dire, la plupart des trucs. Mais c'est rien d'exceptionnel. Hein, donc ce que vous avez raté, c'était simplement que je suis allé chercher l'antidote pour son Pokémon qui était malade. Et je suis revenu et j'ai trouvé un qui m'a donné vol. Voilà, maintenant je suis là. Voilà, on a battu, on a reçu un autre badge. C'est quoi le badge déjà? Une partie envoyée à maman. Pourquoi? Alors, reçoit le badge minéral. Voilà, ici on reçoit le badge minéral. Donc on va accélérer un peu parce que voilà, ça prend une heure. Voilà, donc on a le badge minéral. Donc on va voir un peu la situation. On va sauvegarder déjà pour commencer parce que sinon on oublie encore une fois. Et la prochaine fois on doit recommencer. Ça me ferait un peu. Ça serait un peu con, les gars. C'est un peu con. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, Pokémon et tout. On n'a pas besoin d'en parler. Donc ce que je voulais parler, c'est de ça. Alors, voilà. On a 6 badges. Donc maintenant il faut qu'on aille au 7ème badge. Le 7ème badge, c'est celui de feu. Et malheureusement, pour y aller là, je pense qu'on aurait absolument besoin de vol, parce que sinon on est dans le cul. Et donc, si on n'a pas vol, on peut pas le faire. Et voilà, donc de cet épisode, on va déjà aller chercher, pour commencer, un épisode vol, ouais. Un Pokémon qui peut utiliser un attaque vol. Donc là, on est la nuit. La nuit, qu'est-ce qu'on a? La nuit, on n'a pas grand-chose. Lui, il peut voler. On va le prendre seulement pour parce qu'il peut voler. Hein, ce que vous en dites. Si je fais charge, je le tue. J'espère pas. Bon, on va faire charge à nouveau. Ouais, celui-là, on pourrait l'attraper. Celui-là, il peut faire vol. Ouh, pas mal. Hypnose, ouais, vas-y, dors un peu. Alors, sac. Est-ce qu'on a des Pokéballs, en fait? Moi, je voulais attraper des Pokémon. Tu vois, j'ai pas de Pokéballs. Je n'ai que 3. Hein. Donc, il part comme ta joie. Alors, Super Ball. On va l'attraper ou pas? C'est la question que tout le monde se pose. Attention. Oh, il est sérieux, lui. Alors, à l'époque, je faisais, en fait, toujours... j'appuyais AB pour l'attraper. Je vois si ça fonctionne encore. Oh, je sens que je vais utiliser tous mes Super Balls, là. Et je peux pas attraper ce Pokémon. Ça va être super. Ça va être trop super. Mais super. On va appuyer seulement un pour voir. Maintenant. Ça marche. Ouf. Voilà, on a Nerfang. Voilà, Nerfang. 40 kilos quand même. Voilà. Non, on va pas le renommer. Hein. On va l'appeler comment? Toilette. Alors, on va continuer. On va aller au Poké Center déjà pour commencer. Hein, parce que on n'est pas des cruels, nous. Poké Center, il est où déjà? Il est ici. Poké Center, the fucking Poké Center. Voilà, Poké Center. Ouais, je voudrais bien soigner. Mais ok, si ça m'habite. Toi, t'es qui déjà? Lac Colère. Là où le Léviator apparaît. Ça sent l'embrouille, je sais. Je sais, c'est le Léviator rouge, frère. Calme ta joie. Alors, Léo, comment que c'est? Alors, on va stocker. Déjà, pour commencer, on va remettre en place l'autre Fleurisson, hein, qui nous a bien sûr. Très très bien aidé maintenant pour cette arène. Allez, bisous. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va voler au-delà du ciel. Hein, voler. Alors, je suis allé ici en fait, les gars. C'est pour vous expliquer. Là, je suis allé là. Et pour aller prendre les trucs machin chouette, etc. etc. Ok, vous m'avez compris ce que j'avais expliqué tout à l'heure. Hein. Maintenant, où est-ce qu'il faut aller en fait? Nulle part. En fait, on n'a pas besoin de vol. Ah, je suis trop fort. Bref, alors, on va continuer. C'est par ici, en fait. Voilà. Hop. Vélo, on se barre. À nouveau. Là-haut. Ouais, faut repayer. Ok, bisous. En fait, c'est eux qui m'avaient volé l'argent. C'est pas manqué. Ouh, fais attention de comment... Ouh, là, il faut faire... Qu'est-ce qu'il y a? Attends, tu me casses les couilles, là. Alors, on va aller attraper ce Léviator rouge parce qu'il sera très utile. Mais on va sauvegarder juste devant, hein, parce que voilà, hein, je suis quand même intelligent à ce point. On va sauvegarder juste devant. Sinon après, on l'a dans le cul. On va même sauvegarder avec le truc, hein, parce que voilà, sauvegarde ici.
Merci beaucoup. Et voilà. Léviator rouge. Le voilà, le Léviator rouge. Est-ce que je le ferais mal si je fais un ampleur? Ouais, bah, je meurs. Je meurs, frère. T'es trop fort, frère. On va mettre qui? Parce que c'est vrai que j'ai rien. Ah merde, je suis con. Oh, je suis con. Ah si, j'ai pierre, c'est pas mal. Oh, j'ai pierre, c'est. Ouh, j'ai pierre, c'est pas mal. Alors, sac. Sac, super ball, on y va. Premier coup. Bisous, hein, bisous. Alors, ceux qui n'ont pas cru que j'allais l'avoir au premier coup, eh ben, je l'ai eu. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Vous ne parlez plus maintenant, hein? Tous, hein? Fermez tous la gueule, hein? Écaille rouge. Ah ouais, c'est vrai, on la reçoit quand on l'attrape, en fait, ok. Ah ouais, là, il y a le dernier. Enfin, le dernier de l'autre, là. Oh, mais qu'est-ce que tu veux? Magikarp, arrête. Il y a lui, en fait. Ça, c'est celui qu'après, on va affronter dans l'arène. Es-tu ici à cause de la rumeur? Tu es le pas. Moi, c'est Peter. Peter. Pas celui-là de Spider-Man, hein, j'étais quand même à le dire. Un dresseur comme toi. Ah bon? J'ai entendu certaines informations et je suis venu faire mon enquête. Je t'ai vu combattre, Elpa. On peut dire que tu as du talent. Ça te dirait de me donner un coup de main? Ouais, vas-y, qu'est-ce qu'il y a à faire? Excellent. On dirait quelque chose force les Magikarp du lac à évoluer. Un mystérieux signal radio vient d'Akaiou. J'y attendrai. Ok. Alors lui, il va aller ici en fait. Tu vois, je suis trop fort. Hein. Je suis trop fort. Hein. Vous voyez, oui, je suis trop fort. Ouais. Enfin, ce jeu, j'ai jamais joué, tu vois. Alors, tu es. T'en as mis du temps avec toi. Hey, frère, calme ta joie, frère. Ok. Moi aussi, j'ai seulement un vélo. Hein. Alors, comme je le présentais, cet étrange signal radio vient d'ici. Oh mon Dieu. Désolé que je baille tout le temps parce qu'il est minuit 49. Voilà, c'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire à moi-même. Voilà, je suis désolé. Il ferait mieux de nous séparer. Je passe en premier. En mode. Hein? Bien Scrad. Scrad, comment dire? Bien. Le premier de leur team Rocketch. Rocketch, stupid of freak. Oh, j'en peux plus. De voir le sépirophique. On va faire un jet de pierre. Pour lui dire bonjour. Ah, il est déjà mort. Enfin, KO, ils sont pas morts, les Pokémon. Pour les fans des Pokémon, ils sont pas morts, les Pokémon. Désolé hein, que je dis qu'ils sont morts. Voilà. Je peux pas dire ici. C'est... Tiens, on pleure, ta gueule, pistolet. Ah ouais, ça n'a aucun effet. Oh, mais je suis con. Ah bah ouais. Ah bah ouais. Vous allez vous demander, pour ceux qui ne le savent pas, peut-être, je dois quand même vous expliquer. Quand on fait ampleur, c'est seulement utilisable à des Pokémon qui sont justement sur Terre. Hein. Et Nosferalti, il vole. Donc un Pokémon qui vole, effectivement, tu peux pas toucher. Tu ne peux pas le toucher avec ampleur. C'est logique. C'est logique. C'est comme un Ziisme. Hein? C'est pour ça que j'ai dit que c'est une erreur d'amateur, parce que normalement je le sais. J'ai pierre. Ouais, j'ai appris. Hein. À ta couille. J'ai pierre. Ah, là, on pourrait faire le. Là, on pourrait faire l'ampleur, tu vois, parce qu'il est par terre, justement. Ah, à chaque fois, j'oublie. Ah, putain. Ah, putain. Ah, ah. Notre Gravalanche, on est en train de l'entraîner comme il faut. Je crois qu'au niveau 36, il se transforme celui-là. Si je me trompe pas. Tête mort, on va faire un pleur. 6, c'est pas mal, ouais. Ça pourrait le faire. On pourrait le faire. Les gars, moi, j'avais réfléchi à un truc, en fait, tout à l'heure. Peut-être on va même faire une série sur Pokémon Stadium sur Nintendo 64. C'est aussi très très cool pour essayer d'atteindre, en fait, l'arène. Ça serait cool, franchement, de faire de temps en temps une série par rapport à ça. Pour arriver jusque là.
Ça serait cool quand même. À chaque fois, on utilise d'autres Pokémon si on perd. Ça serait cool, ça serait cool. Je viens d'avoir cette idée maintenant brillante. Justement maintenant. Les gars, je pense qu'on va s'arrêter ainsi. Hein. Calmez votre joie. Calmez votre joie. On va se calmer tout de suite. Hein. Calmez votre joie. Alors, on va sauvegarder. Hein. Je vais sauvegarder quand même. Et on va s'arrêter ainsi dans cet épisode. On a trouvé donc la cachette de la Team Rocket. C'était bien sûr pas aussi difficile que ça. Je le sais parce que je m'appelle Elpa. Je trouve tout. Lol. Et ouais, donc on va continuer. Hein, on va continuer. Pour, je sais que ça faisait. Pardon. Je sais que ça faisait longtemps que je n'ai plus continué sur Pokémon. Je suis aussi désolé pour tous les fans de Pokémon. Par exemple, pourquoi je dis ça? Parce que Friganja me l'a dit. Écoute, Elpa, c'est quand que tu continues avec. Avec Pokémon Crystal, moi je regarde, etc., etc. Je peux comprendre que les fans de Pokémon veulent regarder quand même la suite de Pokémon Crystal. Ça me fait aussi extrêmement plaisir. J'ai eu aussi beaucoup de messages par rapport à ça, que ça serait cool, enfin c'est cool que je refais un nouveau du Pokémon, etc., etc., qu'il y a à nouveau de la nostalgie. C'est vraiment très très cool. Donc on va continuer, ne vous inquiétez pas. Peu à peu, ça va revenir. Donc je ne l'ai pas abandonné cette série. Hein. Donc ne vous inquiétez pas. Hein. Même s'il y a des épisodes qu'on a perdus, etc., ça me fait un peu chier, je dois l'avouer. Mais ne vous inquiétez pas, on va la continuer. Voilà, bref, sur ce, je vous dis merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de laisser un petit like. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire d'ailleurs. Je suis en train d'enregistrer cette vidéo pendant que c'est mon anniversaire. Mais c'est cool, quoi. Alors, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa, triple peace.